Angélique, aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu es vraiment magnifique. Je suis véritablement fière d'être ta mère. Je me permets ce petit discours, car ce jour est tout à fait particulier. Lorsque je te regarde, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Tu me ressembles tellement quand j'avais ton âge. La seule différence, ce sont tes yeux. Tu arbores un regard d'un noir profond et mystérieux. Oh, tu es tellement jolie. J'ai vraiment bien choisi ton père pour la conception. Tes gènes ont fait de toi une jeune femme parfaite. Beaucoup aimeraient être à ta place. Moi, la première. Cette jeunesse est une bénédiction. Tu possèdes tellement de richesses et tu n'en as même pas conscience. La beauté, la santé, la forme physique, et j'en passe. Heureusement que tu as pris un soin particulier à cultiver ton corps. Mes conseils ont porté leurs fruits. Le teint frais, la peau ferme et sans imperfection. Les cheveux brillants et doux. Tu as l'âge des expériences, de la fête, des amis et des amours. Ah, comme ce temps me paraît lointain. À ton âge, j'obtenais tout ce que je voulais. Et pas seulement de la part des hommes. Lorsqu'on a un physique avenant et que l'on sait l'utiliser, c'est un pouvoir incommensurable. La beauté, alliée à l'intelligence et à l'expérience, sont de véritables armes. Mais je doute que tu saches en profiter. Contrairement à moi, les sacrifices que j'ai pu faire portent enfin leurs fruits. Et ça en valait la peine. Oh, quel dommage que tu ne puisses pas m'entendre. Mais j'ai dû t'endormir pour que tu me laisses pratiquer le rituel d'appropriation. J'aurais pu attendre quelques années, mais vois-tu, je n'aime pas dépasser 36 ans. Tous les 18 ans, je change de corps et enfante une fille dont je m'approprie l'enveloppe charnelle. Ne t'en fais pas. Tu ne souffriras pas. Ou du moins, pas longtemps. Et après, tu n'auras plus jamais mal. Ça ira vite, j'ai tellement l'habitude. Je ne sais plus combien de fois j'ai pratiqué ce rituel. Enfin bon, assez parlé. Je dois dire la formule à présent. Redemene satre rae. Artisae hamdeias. J'enregistre ce petit message pour dire que je suis en train d'écrire une nouvelle creepypasta qui sera plutôt longue et assez sombre. Du coup, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si je la fais en une seule partie, qui, d'après ce que j'ai écrit pour l'instant, si j'estime bien, devrait durer au minimum une vingtaine de minutes, ou si vous préférez que j'en fasse plusieurs parties de... ça dépend, 5 ou 10 minutes chacune, en fonction de comment le texte se découpera le mieux. Si vous pouviez mettre votre avis dans les commentaires, ça m'arrangerait. Et comme ça, je pourrais faire selon vos goûts. Merci beaucoup. À bientôt !